Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog qui va pas durer très longtemps, qui va être plus court que les précédents parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo courte et voilà, j'avais envie d'en faire une. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être 2 jours complets avec moi, donc je vous montre les moments les plus intéressants et voilà ce que je fais pendant 2 jours. Mais avant ça, je voulais juste vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai faite qui s'affiche juste ici. Voilà, j'ai jamais eu autant de vues, autant de likes et j'ai gagné pas mal d'abonnés grâce à cette vidéo, donc un grand merci à tous. Allez, assez parlé, moi je vous laisse avec l'intro. Oh, je suis mort. Un renfort musculaire, quelques ateliers de cardio renfort, j'essaie de me varier. Bon là du coup on est parti, direction l'entraînement des U11. Je vais essayer de vous filmer quelques séquences de l'entraînement que j'ai préparé. Voilà, il y aura 4 ateliers, un échauffement et 4 ateliers. Et on va finir par un match à la fin. Donc voilà, les U11 c'est des entraînements ludiques. Hein. Mais voilà, je vous montre ça, c'est parti. Je viens d'arriver au stade là, il pleut là, Oh, j'en ai marre de ce temps depuis hier, il arrête pas de pleuvoir, de faire beau, de pleuvoir. Ce matin il faisait beau, je me suis entraîné sous le soleil. Début de l'entraînement dans 30 minutes, il se met à pleuvoir. C'est la classe foot qui s'entraîne là-bas, les U13. Moi c'est dans 30 minutes avec les U11, faut que je sois partout. Et de ce temps-là. Atelier de motricité là-bas, la conservation, travail devant le but. Et là-bas, un jeu de passe. Allez, s'enchaîne, Simon. Alan, tu peux partir. C'est parti. Ah, c'est parti. Plus vite, plus vite, plus vite, Evan, accélère! Top! Bon bah voilà, les 5 dernières minutes d'entraînement, il a commencé à pas mal pleuvoir. Et là c'est horrible, hein. Il pleut de ouf là. En plus après il y avait l'entraînement de la C et de la D, je sais pas s'ils vont s'entraîner. Même si c'est sur un synthé parce que là, une grosse tempête de prévu ce week-end et ça commence ce soir. Et là, c'est bien parti. Donc en tout cas, notre entraînement de 11, nous ça a été, on n'a pas eu trop de flotte. Il a crashiné mais ça a été. J'ai fait 3 ateliers différents. Un atelier technique, contrôle passe, un atelier de motricité, coordination et un atelier de passe à 5, passe à 10 avec stop ball. Voilà, c'était pas mal. On a fait 3 ateliers différents avec un échauffement. 1h15 de séance pour un jeudi, donc c'est bien. Il y avait du monde, donc impeccable. Voilà, du coup je vais rentrer tranquillement. Je vais manger, je pense, oui, parce que j'ai estimé vers 10, j'avais entraînement à 10h30. Je vais rentrer manger, ensuite je vais me poser tranquillement
vrai que enchaîner les entraînements de en tant que joueur et l'entraînement des U11, bah, c'est fatigant parce qu'on piétine avec les U11 et au final ça fait un peu mal aux pattes. Donc je viens me reposer tranquillement, manger et regarder le match du Barça parce qu'il joue ce soir. Comme vous savez, comme vous avez vu le décor de ma chambre, je suis un grand fan du Barça depuis que je suis tout petit. Donc voilà, je vais regarder le match du Barça sur cette abdo. Et puis voilà, on se voit tranquillement demain pour la suite de la vidéo. Il est 13h20, vendredi, 5e jour de la semaine. J'ai rendez-vous à 13h45 chez le kiné pour faire encore quelques exercices pour renforcer ma cheville, quelques exercices de proprioception. Donc voilà, je vous montre quelques images